il y a des clients qui sont prêts pour acheter un peu plus cher, mais là, quels sont les bénéfices? C'est une bonne nouvelle. Maintenant, je ne sais pas si c'est représentatif autour de cette salle. Je pense qu'on a des professionnels qui sont dans cette conscience. Mais je ne pense pas que ce soit représentatif de la population. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, à ce stade des modalités, je ne suis pas certain que le client marocain est prêt à payer beaucoup plus cher. Maintenant, ce qui est important, c'est d'en faire un élément de différenciation par rapport à la concurrence. Sortir avec des produits de qualité, avec les prix du marché, avec des éléments différenciateurs qui sont justement les qualités de vie dans ces bâtiments, qu'elles soient donc thermiques, acoustiques, qualité de l'air, avec des bâtiments qui ne sont pas énergivores, parce qu'on a toujours le côté économique et ces factures qui tombent à la fin de chaque mois. Je pense que si on... Déjà, on a une première réglementation thermique qui est mise en place, qui est effective, mais est-ce qu'elle est appliquée par tous? Est-ce qu'elle est vérifiée? Est-ce qu'elle est contrôlée? C'est la certification marocaine qui revient, quand même. Non, mais déjà on parle de loi, de réglementation, au-delà de la certification. C'est qui l'applique? C'est qui la suit? Voilà. Quels sont les organismes qui vont suivre, qui vont s'assurer que c'est appliqué? Parce qu'aujourd'hui, sans parler, on va dire, de certification, on va dire... Des sondages auprès de des usagers, mais également des promoteurs, sur les retours sur investissement en termes de construction durable. Sur certains plusieurs secteurs, donc on a la productivité, donc c'est un élément qui n'est pas négligeable, ce qui permet de dire que la construction durable, en fait, en France, a commencé sur les bâtiments publics, et après c'est les mobiliers, les collèges. C'est les bâtiments publics, hein. Bâtiments publics, les premiers qui ont commencé. Pour l'État. Aujourd'hui, au Maroc aussi, on voit des appels d'offres où on s'est demandé la construction durable, on trouve même des termes HQE dans certains secteurs. Je ne sais pas si on aura le même processus, mais bon, ça peut accompagner, ça peut aider. Donc il y a la productivité qui n'est pas négligeable, et c'est vraiment là où on a un gain. Quand on réduit le nombre d'absentéisme, le nombre de maladies professionnelles, ça a un impact important pour les entreprises, que ce soit dans les bureaux, dans les centres d'appel, ces zones qui sont très, très sensibles. Dans le coût journée homme peut qui est assez important et qui est sur une durée importante. Plus de 80% du coût d'un bâtiment, c'est l'exploitation, le coût global, si on prend en considération le coût global. Donc s'il faut réduire le coût, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et donc on revient à la notion de santé. Avant de protéger l'environnement, on revient à la santé. C'est là-dessus que je gagne vraiment. Si je protège l'environnement, je réduis même ma facture énergétique. Si je mets sur le dos, mais... Après, quand on parle de certification, c'est juste une garantie sur ce qu'on déclare. Mais des bâtiments de construction durable, avec une démarche de construction durable. Donc, en premier lieu, la productivité. Après, on a les ressources, que ce soit l'énergie et l'eau. Alors, émissions polluantes atmosphériques, et après, entretien et maintenance. Voilà. Donc, et entretien et maintenance, donc c'est un élément aussi très important en termes de ressources, c'est lié à l'eau et à l'énergie. Donc, si on réduit les consommations de ressources, on réduit l'usure des équipements et les fréquences d'entretien et maintenance. Donc, vous voyez que sur l'ensemble de coûts d'exploitation, on est vraiment gagnant. Et ça, c'est le cas d'un bureau. Mais c'est la même chose pour le logement, pour d'autres types de bâtiments. Voilà. Donc, et bien sûr, quand on travaille sur des bâtiments, par exemple, comme l'hôpital de Bouskoura, là, on va mettre plus l'accent sur la notion de santé. Ça, la valeur ajoutée de la démarche, c'est qu'elle s'adapte à chaque place ou un endroit où on va construire et à son activité ou sa typologie, voilà, son usage. Donc, ces retours montrent aujourd'hui que la construction durable est bénéfique à l'ensemble des personnes qui vont utiliser le bâtiment. Là, on parle d'exploitation, c'est vrai, mais je le rappelle encore, pour les promoteurs, pour les usagers, et même pour les entreprises qui réalisent le bâtiment, j'irai encore plus loin, pour les compagnons qui travaillent dans ces entreprises, c'est pareil, un compagnon, c'est comme celui qui travaille dans un bureau. Si demain, il travaille dans une entreprise qui fait un chantier qui n'est pas respectueux de sa santé, il quitte, il ne peut pas
partir. Et ça, ça peut engendrer aussi des problèmes de coûts pour l'entreprise travaux. Donc c'est vraiment, ça touche à toutes les échelles, à l'ensemble des acteurs du bâtiment. Voilà. Ah, parfait. Alors bâtiment, là on va parler ville, quartier, n'est-ce pas, Younes? Younes nous a amené. C'est une application qui a été développée. Qui a été développé par le groupe et qui montre un peu les différentes solutions c'est pas seulement les quartiers durables, quartier, c'est ça. De villes durables, de bâtiments, du bâtiment, c'est des constructions nouvelles, mais aussi de la rénovation. Et donc il y a plusieurs solutions, on va aller assez vite. Donc là, il y a le menu. On peut regarder rapidement, par exemple, le cas des écoquartiers. Et dans les écoquartiers, il y a des solutions qui sont faites pour améliorer la qualité de la vie, d'autres pour économiser de l'énergie. Je vais, à titre d'exemple, prendre un projet qui s'appelle le Fort d'ici à Issy-les-Moulineaux. Ça, c'est un projet sur 12 hectares. Qui a la particularité de ne pas avoir de circulation de véhicules au sein du quartier et qui a aussi un certain nombre d'installations spécifiques parmi lesquelles on peut regarder tout simplement prendre ça comme exemple. Ça, ce sont des bornes pour la collecte de déchets. À l'intérieur de l'îlot, les camions n'ont pas besoin de rentrer dans l'îlot pour perturber la vie des citoyens. Il y a un tri et puis ça se fait avec la collecte se fait avec un système pneumatique. On n'a plus de camions à l'intérieur. Pas de camions à l'intérieur. Les camions viennent en périphérie du quartier et se branchent à des bornes et mettent en route un compresseur pour. Il y a également d'autres solutions où la domotique, tout le monde connaît aujourd'hui la domotique. Donc il y a la domotique à l'intérieur des appartements où on peut contrôler la consommation d'énergie en temps réel et réduire par des actions simples. Mais également le développement d'applications qui ont été faites par le groupe qui permettent de faire cette gestion aussi à distance. On peut lancer le chauffage de son logement, je sais pas, à 20h parce qu'on va rentrer à 22h, ou décaler et le faire démarrer 2 heures plus tôt parce qu'il y a un changement de programme. Donc tout ça, c'est des services qui sont rendus aux utilisateurs et qui permettent non seulement d'avoir un confort de vie, mais également de participer à l'économie d'énergie. Alors, à côté de ça, on a d'autres solutions qui sont plus liées à des solutions urbaines. Donc, si je prends la mobilité douce, c'est on va d'abord favoriser tout ce qui est transport par vélo, tramway, et également comment faciliter et optimiser les espaces accueillants de la ville et les rendre plus accueillants. Notamment, on voit ici des emplacements de véhicules qui sont connectés. Alors, quand on dit connecté, c'est qu'il y a des capteurs au niveau des places des véhicules. Et à partir d'une application, au lieu de tourner pendant une demi-heure pour trouver la place, on a une indication immédiate des places qui sont disponibles et y accéder directement. Donc ça, ce sont des solutions simples qui peuvent être mises en place. Le groupe a également développé quelque chose d'assez original. C'est des enrobés qui produisent de l'énergie, donc ça c'est Colas. Donc ça aussi c'est mis en place dans un certain nombre de quartiers et ça participe à la production de l'énergie. Comme quoi c'est une petite démarche, elle commence par la personne. Si la personne, juste en présence de déchets, peut être
respectueux de l'environnement. Exactement. Donc ce qui peut être fait à l'échelle d'initiatives personnelles peut être élargi à des quartiers et, soyons optimistes, à des villes ou des pays. Donc chacun doit porter sa contribution à son niveau comme il peut. Donc, je vais vous lancer un petit film, un dernier, si on m'autorise. On peut, à Maroc, avoir cette démarche de façon simple. Est-ce que c'est la loi qui est là? Est-ce que c'est un organisme certificateur? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un promoteur de développeurs? Est-ce que c'est l'État? Comment on peut gérer ça? Surtout quand maintenant on est à l'aube du COP22, etc. Comment on peut vraiment avoir cette dynamique pour que le Maroc approche ce restaurant? Mettre en place, penser la démarche, les autres peuvent se diriger là-dessus et innover, trouver des solutions, comme je comprends de voir. Donc, les autres pays, c'était surtout l'État qui mettait en place, qui engageait ces démarches. Après, l'association, les associations. Donc, en France, c'était une association. Aux États-Unis aussi, c'est une association. Dans d'autres pays, c'est également le cas. Donc, on espère qu'au Maroc, en tout cas, c'est notre objectif au sein du MGBC, c'est d'encourager. Trouver un moyen de travailler avec des institutionnels dans ce sens. Et donc notre démarche, c'est déjà offrir un référentiel adapté, parce qu'il faut déjà être sûr que ce qu'on prescrit est bien adapté. Alors, c'est adapté à la loi ou bien c'est... Qui va au-delà de la loi. Donc, oui, bien sûr. Donc déjà, on exige que le promoteur ou l'ensemble des acteurs, parce que c'est les entreprises travaux, l'architecte, et tous les acteurs doivent se conformer à la loi. Et après, on fait un delta plus où on est au-delà de la réglementation. Si la réglementation exige 40 kWh pour chauffage et la clim, à Casablanca par exemple, nous, on va reconnaître la performance de quelqu'un qui va faire 32. Et c'est ça la valeur ajoutée, c'est qu'on peut identifier ce quelqu'un qui peut faire un effort supplémentaire au-delà de la loi. Parce que vous aurez celui qui va faire 40, qui est juste conforme à la loi, vous avez celui qui va encore plus. Oui, voilà. Et donc il faut reconnaître son travail, et c'est que comme ça qu'on peut encourager l'innovation et l'amélioration. Et on se rapprochera quoi? Plus des Américains, de HQE, du livre? Ils ne sont pas 100% complets, je ne dis pas non plus que la même marocaine sera complète, mais en tout cas on capitalise sur les manquements ou les manques qui existent dans les labels américains ou britanniques ou français. Donc il y a un travail. Il y a un nom qui doit être donné? Non, le nom n'est pas choisi, c'est pas un qui est important, c'est pas la MGBC qui porte le projet, c'est une autre institution. Aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus, on se passe à revenir rapidement. Et on reste, en fait, ce qui est intéressant, on reste dans l'associatif. C'est une institution qui est associative, qui est indépendante, et qui a son emploi et sa légitimité dans le paysage marocain, et qui va encourager les gros promoteurs, ou les gros, pardon, industriels, les grosses entreprises marocaines, les plus importantes, qui vont donner le temps, qui produisent qui possèdent un patrimoine immobilier important, ou qui produisent un patrimoine immobilier important. Donc si on commence par ces gros producteurs de patrimoine immobilier, bien sûr les autres vont suivre. Ou avec nos partenaires, on va connaître ceux qui font mieux. Et pour la construction durable, on capitalise sur ce qui a été fait à l'international et on essaie de proposer un produit adapté au contexte marocain et accessible pour l'ensemble des partenaires. Après, le niveau de performance, comme l'a dit Thomas, sera différent du personnel. Ouais. Juste rapidement la belle. Et on voit en effet qu'un certain nombre de pays émergents ou pays de la BRICS comme l'Inde, le Brésil, qui sortent aujourd'hui avec leur propre label. Globalisation, c'est important d'avoir cette approche russe. Tout à fait, donc, on disait tous ces labels, américains, français et les autres, et créer un label international ISO. On va tendre également vers l'ISO. Et le travail marocain contribuera à l'élaboration de ce ISO pour le contexte local. C'est la on pourra démarche. S'exporter pour l'Afrique éventuellement. On peut également exporter pour l'Afrique. Aujourd'hui, on a des entreprises marocaines qui exportent en Afrique. Et on peut les accompagner. Les entreprises, les architectes et les professionnels du bâtiment marocains peuvent également accompagner ça. Donc, il y a un standard international ISO qui est en cours de réflexion. Il y a un rapprochement entre les Américains et les Français pour standardiser leur pratique et les standards. C'est des contributions de chaque pays qui créent des groupes de travail.
dans ce sens. Aujourd'hui, le MGVC, on est conducteur de travail pour la région MENA. On contribue aussi sur des réflexions pour l'association MGVC. Et on est particulièrement aussi dans cette démarche. Merci, messieurs. C'était une première série de questions. Je pense qu'il y a un micro par la zone tout à l'heure. C'est Hello, comme toujours, c'est votre première dame. Non, c'est pour la première, c'est madame. D'accord. Maroc, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses à travers le monde et tout. Mais concrètement, pour le Maroc, est-ce qu'il y a déjà une segmentation du secteur de l'immobilier et de ce qu'on attend de ces réglementations et de l'impact? Je dis tellement n'importe quoi, pour les groupes immobiliers qui font du social, pour ceux qui font du résidentiel intermédiaire, pour ceux qui font du très haut standing, et pour tout ce qui est tertiaire, et ensuite, bien sûr, pour tout ce qui est industriel. Est-ce que déjà il y a cette segmentation qui est faite au Maroc? Quid des institutions? Quelle fédération? On est un peu perdu, hein, quand on lit la presse, on est un peu perdu. Merci. Parler du coût, est-ce qu'il y a un impact? Moi, je voudrais dire que le coût n'a pas un impact sur le coût de construction, sur le coût global de la construction. Pourquoi? Tout simplement, ce dernier, c'est-à-dire ce coût de construction, a baissé par rapport à l'année de 1990. Les gros œuvres, ils ont évolué légèrement. Le coût de finition, il a baissé peut-être de 20 à 30%. Parce qu'en 1990, je vous donne un simple exemple. Quand on achète un sanitaire, on l'achète à 80 000 dirhams. Maintenant, tu prends un sanitaire à 20 000 dirhams. Et puis, il y a aussi un impact. Il y a toutes les constructions actuellement, il ne faut pas oublier qu'il y a des importations au niveau de la Chine. Donc, je reviens. Il y a aussi la main-d'œuvre qui n'a pas évolué. Et je pourrais affirmer qu'effectivement, le coût de la construction, il a baissé au Maroc. Deuxièmement, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il faut développer une culture de ce genre de bâtiment. Malheureusement, le coût de ce genre de culture, il est très difficile de l'appliquer actuellement au Maroc. Pourquoi? Parce que la plupart des promoteurs immobiliers, je ne vais pas dire professionnels, je vais un peu les choquer, mais ils n'ont pas une culture. C'est des gens qui ont un niveau très, très, très bas par rapport à une dizaine de promoteurs immobiliers qui sont très très avancés, etc. La troisième des choses, vous avez parlé de vendre plus cher. La salle a confirmé que 60% disent qu'on pourrait vendre plus cher si on ajoute ce modèle de construction. Moi je dis que qui peut acheter plus cher ou les louer plus cher par rapport au marché? Ce sont tout simplement des multinationales qui ont cette culture. Le Marocain, une entreprise PME, un avocat. Quand on fait les calculs, les statistiques, et il y a des gens ici à la salle qui ont des statistiques des multinationales qui s'implantent au Maroc. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Généralement, ils demandent des locations. C'est très rare qu'une multinationale achète un bien, sauf dans le cadre de terrain industriel. C'est comme ça que je raisonne. Je reviens à Tizan, comme vous avez dit. Je m'excuse. Rapidement. Troisième question. La quatrième, Tizan. Non, je réponds à votre question. On reviendra. Je prendrai juste une autre question, je reviendrai. Je reviens et après j'envoie un message. C'est très important. Très simple, c'est quid du consommateur. Qu'est-ce qu'on, au final, comment on arrive à toucher le consommateur, à lui développer, je reprends M. Lehlou, la culture du développement durable, la culture du green building? Parce qu'au final, aujourd'hui, on est dans une période où on fait un peu de tout dans l'immobilier. Il y a l'arsenal juridique qui devient de plus en plus gros. Mais on n'a toujours pas de réglementation sur la construction. On a toujours des problèmes de mort sur des chantiers. On a des problèmes sur la VFA. On a de gros problèmes déjà à régler. Et on est déjà en train de parler du green building. Or qu'en France ou en Europe, ils ont déjà essayé de couper tous ces problèmes avant de passer au green building, qui est devenu une obligation dans des villes comme Paris ou dans des grandes villes. Donc la question que je me pose, c'est comment ces promoteurs ou ces associations, ou bien il y a des promoteurs qui le font eux-mêmes, il y a un projet sur Azemmour qui le fait très bien, la résidence bioclimatique, mais les autres ne communiquent pas assez dessus, et moi c'est ma question, c'est comment ils communiquent, pourquoi, comment on fait pour faire connaître ces labels. Oui, une approche qui n'existait pas. On parle déjà de problématiques pour appliquer des lois qui sont déjà là, alors pour arriver à quelque chose de plus premium. Alors, le segment résidentiel,
Il y a deux segments qui sont clairement définis par la loi, sur les trois. C'est le logement à 250 000 dirhams, celui à 140 000 et celui de la classe moyenne qui a été fixé à 7 200 dirhams. Après le reste, il n'y a plus de segmentation. Mais j'aimerais dire que par rapport à la thématique que nous avons aujourd'hui, peu importe la segmentation, pourquoi ? Parce que l'enjeu, en tout cas pour le segment du résidentiel, il est à tous les niveaux. Si on parle d'économie d'énergie, il y a une enquête qui a été faite par le ministère de l'Habitat qui annonce 2,9 millions de logements d'ici 2030 à construire. 80% de ces logements, c'est du social et économique. Donc c'est là qu'il faut agir. J'ai entendu parler tout à l'heure d'un exemple. On commence à travailler sur des modèles ou des pilotes de logements en économie d'énergie. Je pense que vraiment, c'est là où il faut agir. Donc après, en effet, au niveau des logements au standing, là où on voit aujourd'hui apparaître les labels, on touche 5% du marché. C'est pas ça qui va révolutionner ni la facture énergétique du Maroc, ni qui va toucher le gros de la population marocaine. Voilà. Si ça répond. Pour mettre en place, on va dire, un modèle de cahier des charges par segment, il va bien falloir qu'on y arrive un jour. Alors, la réglementation aujourd'hui, il y a une réglementation, c'est la réglementation thermique, qui est applicable à tous les bâtiments sans exception, mais qui n'est pas encore appliquée par tous. Et c'est là où je posais tout à l'heure la question. Il y a une absence des organismes de contrôle pour vérifier et imposer ces démarches aux promoteurs. En effet, il ne suffit pas d'écrire des lois, il faut les faire appliquer. On a trop souvent, au Maroc encore, tendance à choisir si on veut appliquer une loi ou pas. C'est le cas de la VEFA, par exemple. Mais une loi, on n'a pas le choix. Quand elle existe, il faut l'appliquer. C'était M. Ougari qui doit être dans la salle, qui disait que la loi, elle est faite pour être appliquée, pas pour choisir si on veut l'appliquer ou pas. Voilà. Vous avez quelqu'un ? Je vais... I have two questions, but it's possible to ask. Yeah, I'll give you them. Just if you can hold just two, 3 minutes, just to get the answer and go back. Je rappelle encore que les expériences... Oui, je vous promets. L'expérience dans notre pays, on n'a pas attendu la réglementation pour faire de la construction durable. La construction durable s'est développée par le marché privé. Il n'y a pas eu de réglementation à part l'énergétique. En France ou dans les autres pays, il n'y a pas eu de réglementation qui dit qu'il faut faire le HQE. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation en France qui dit qu'il faut faire le HQE. C'est le marché qui impose aux promoteurs de faire de la HQE. On revient sur encore cette problématique. Aujourd'hui, il faut, avec tous les problèmes que vous avez relevés sur les promoteurs professionnels ou pas professionnels, les problèmes des lois, de ce qui existe dans le manque qu'il y a dans la réglementation de la construction, tout ça, c'est, bien sûr, c'est un contexte. Mais il y a des dépenses élèves, il y a des gens qui donnent l'exemple, des personnes qui font des démarches. Et le problème, c'est que ces gens-là, on n'arrive pas à reconnaître leurs efforts. On n'arrive pas à quantifier, à différencier entre un promoteur sérieux et un promoteur qui ne l'est pas. Aujourd'hui, avec les tisanes, on arrive à le faire. Il y a un nombre de contextes qui sont coupés entre eux, ils ont défini un cahier de charge. Celui qui veut faire de bonne qualité, il a qu'à respecter ce cahier de charge et se faire auditer par l'organisme indépendant. On revient encore sur la certification. Peut-être qu'ils sont 5 ou 2, mais en tout cas, c'est déjà un premier pas. Voilà, on n'avait rien. Ce qu'on essaie, la démarche construction durable, ou la certification plutôt, c'est de permettre de différencier entre un produit, ou un organisme, ou une personne qui est sérieuse et une autre qui ne l'est pas. C'est vraiment ça, l'habilitation et la certification. Et donc, il faut travailler sur ces gens, les encourager à faire mieux, à reconnaître leurs efforts, à montrer qu'on peut faire mieux. Et il y a des ateliers, l'atelier sur la construction qui est fait dans un showroom, qui montre les performances, les gains acoustiques, thermiques, eau et autres, que l'acquéreur peut avoir. Et ça, c'est une démarche aussi pour appliquer l'acquéreur dans la démarche de construction, lui permettre de dire, c'est gagnant aussi pour moi. Donc,
Ça, c'est un élément très important. En ce qui concerne, je pense qu'il y avait une question sur... Sur le coût. Le coût. Le coût, en effet, tant que la règle de la productivité, la production en général, dans n'importe quel domaine, tant qu'on produit plus, les coûts baissent. L'isolation, les coûts de tout baissent parce qu'il y a une offre importante. Une demande aussi qui encourage le marché. Donc, également, le coût de la construction durable va baisser. Nous, les certifications vont baisser. C'est la règle du marché. Mais juste par rapport au coût, à l'instant T, sans parler, on va dire, historiquement, de l'évolution du coût, je ne remets pas en cause ce que vous dites, je n'ai pas les éléments pour pouvoir y répondre, mais en tout cas, à l'instant T, avec un projet où on va avoir les mêmes coûts des intrants, un projet qu'on va vouloir labelliser en tout cas à un certain niveau, pas forcément au niveau basique, va nécessiter des dépenses supplémentaires. Si demain on décide de mettre un échangeur pour récupérer la chaleur ou faire de la géothermie, c'est un équipement supplémentaire. C'est dans ce sens-là qu'on dit que ça peut générer. The second one, what kind of projects could take place if we suppose, I guess, Meta kind of projects here in Casablanca, once of the poorest city in Casablanca, in Morocco. Then the third question is, what kind of projects could, if the project could take place, how to adapt it here in Morocco? And I guess Moroccan people are limited, and what the kind of projects are so utopic, if you can say that in French. So they are limited on price, space, and the better green places. I hope to be understood, and you can answer in French, so I can understand. Thank you. Moi, j'avais une question, c'était comment faire en sorte que le bâtiment durable ne soit pas réservé justement à une élite. Et puis, est-ce que vous pensez que le bâtiment durable pourra permettre de tirer vers le haut l'état du bâti aujourd'hui? Merci. Vous avez parlé d'isolation thermique, d'isolation acoustique, mais en fait, les habitudes des résidents, vous pouvez bien isoler l'appartement thermiquement, acoustiquement, ce que vous voulez, mais il suffit qu'un enfant ouvre la fenêtre au moment où un climatiseur est en marche, et ça devient plus environment friendly. Aussi en termes, juste pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Monsieur Lalo, c'est au fait par rapport à la domotique, par rapport au coût, vous avez parlé de 15% de plus, mais pour la domotique c'est généralement 3 à 5%, et pourtant on ressent une grande résistance de la part des promoteurs pour intégrer la domotique dans leur projet. À mon sens, c'est pas juste un problème de mentalité, parce que on reçoit de plus en plus de demandes de la part de particuliers, mais la barrière est toujours là quand il s'agit de promoteurs. On ressent beaucoup plus de les particuliers, les particuliers, ils acceptent beaucoup mieux les nouvelles technologies que les promoteurs qui ont du mal à changer, à s'adapter au courant. Il n'y a pas forcément besoin d'une domotique. Une domotique peut conforter la construction durable dans le sens d'agir sur les paramètres de confort, de gestion du bâtiment et suivre les indicateurs de performance, de comptage des consommations, ce qui permet à l'acquéreur ou au gestionnaire de dire est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que ce que j'ai mis comme isolation, comme équipement est vraiment performant pendant l'exploitation. Ça. Mais une construction durable, la domotique n'est pas indispensable pour faire la construction durable. Deuxième question, est-ce que le développement durable ou la construction durable peut tirer le marché du bâtiment vers le haut? Je pense que oui, sur les retours d'expérience qu'il y a à l'international, la construction durable encourage à l'innovation. Et donc on innove beaucoup grâce à la construction durable, en termes de procédés, en termes de mise en œuvre, de formation, d'information. Donc là-dessus, je suis d'accord que je confirme que la construction durable tirera le bâtiment vers le haut. Deuxième question, pardon, j'ai très bon de mémoire. C'était réservé ici, c'était réservé aux élites. Voilà. La même chose, c'est quel marché, quel cible, quel marché pour ça. Voilà. La construction durable, dans
dont l'objectif de l'association, elle doit être accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on peut en effet dire qu'elle est réservée uniquement à l'Église. Tout simplement parce que peut-être on intègre, la construction durable est faite par certains promoteurs qui offrent uniquement des produits dédiés à cette élite. Il n'y a pas de promoteurs qui font du social, qui font de la construction durable, c'est peut-être pour ça. Et donc si on fait des choix réfléchis de bon sens, on peut offrir aussi de la construction durable à n'importe quelle population dans la société. Mais pour le moment, la cible est restreinte. Pour le moment, elle est restreinte. Mais je dis encore que quand on fait des choix de bon sens, la construction durable peut être uniquement avec le crayon de l'architecte. On peut ne pas faire appel. Aujourd'hui, les bâtiments passifs, on a des bâtiments au Maroc qui sont dans des coins très isolés où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, et qui sont uniquement réfléchis localement sur la base des ressources disponibles localement et qui sont mille fois performants. On a vu l'exemple sur les Al-Aqsar et tout ça. Voilà, c'est des bâtiments qui sont impressionnants. Ils sont faits avec la terre, climatisés. Ils sont toujours actuels. Et donc, aujourd'hui, il y a des ressources. Il y a une compétence, il y a un savoir-faire marocain. On a des années de connaissances dans le bâtiment, dans le monde constructif, dans les mondes constructifs marocains, anciens, qui sont très très performants en termes d'impact environnemental, d'impact d'énergie, de ressources et autres. Et donc, l'adaptation d'une marché de construction durable au contexte marocain, en profitant de ce qu'on sait faire, déjà en premier lieu, et en capitalisant ce qui a été fait ailleurs et qui est sûr qu'il soit applicable au Maroc, c'est que comme ça qu'on peut réussir une construction durable. La jungle du béton et tout ça, la pollution sur Casablanca, etc. On a vu le Maroc à l'expérience on a construit des choses qui sont jusqu'à maintenant durables. Tout à fait, tout à fait. Et il y a des études aujourd'hui en cours d'élaboration par des ministères d'habitants sur le monde constructif marocain, sur l'inertie, sur la terre, les maisons en pierre, les maisons en terre, on va capitaliser sur ces données-là. Donc ça, c'est l'autre élément. L'élément sur l'exploitation à l'enfant qui va ouvrir la fenêtre et peut-être qu'il y aura une déperdition de climatisation. Aujourd'hui, on voit, ceux qui sont des enfants, que les enfants sont à l'école sensibilisés sur ces notions-là et que c'est eux qui deviennent... C'est eux qui rappellent à leurs parents la notion de respect de l'environnement. Et il est possible que l'enfant lui-même, c'est le père qui ouvre la fenêtre, c'est l'enfant qui lui dit ferme la fenêtre parce qu'il a la clim. Donc, ça, on le remarque aussi cette année. Oui. Un peu d'éducation civique, il faudra, c'est une génération qu'il faudra. Si une culture a changé, la culture viendra avec cette génération, avec l'éducation, ou à l'impact environnemental. Voilà. Donc, pour résumer sur ces réponses, l'innovation, la construction durable encourage l'innovation, elle tire le bâtiment vers le haut. L'adaptation au contexte local est très importante et la construction durable devrait être accessible à l'ensemble de la population, non pas à une élite, et c'est possible quand on fait des choix de bon sens. Oui, rapidement, je rejoins Zakaria sur le fait que c'est pas parce qu'il y a des moyens limités qu'on ne va rien faire. Je pense que ça commence par une conception bioclimatique, et cette conception bioclimatique, ça veut dire un bâtiment bien orienté, bien protégé, et ça coûte pas forcément plus cher. C'est pour ça que c'est important de faire cette démarche, pas au cours de projet, mais au démarrage d'un projet, parce que c'est là où ça peut se gagner, c'est au niveau de la réflexion initiale. Pour répondre à madame sur les projets qui peuvent... être des cités au Maroc, aujourd'hui les premières certifications concernent des universités, concernent des hôpitaux et du résidentiel, on va dire pour le cas. L'industriel aussi. Et un parc industriel. Exactement. Voilà. Et on a également une station balnéaire qui a été certifiée en termes d'aménagement extérieur. Je ne sais pas après si les bâtiments ont été certifiés, mais en tout cas, je pense à la station de terre azote. Donc il y a un champ d'application qui est large, et je pense que là où on a besoin de s'améliorer, on a besoin de pénétrer, c'est la grande base de construction, c'est les logements sociaux, et c'est ça commence déjà par l'application de la réglementation thermique, et à partir du moment où déjà on respecte la réglementation thermique, je ne pense pas qu'il faudrait beaucoup, beaucoup plus d'efforts pour pouvoir aller vers une certification.
Ça, c'était pour le premier point. Par rapport à l'élite, je pense que Galia a répondu, mais je pense qu'à travers les travaux que vous menez en tant que projet pilote, notamment avec l'université de Stade, il y a une volonté de pénétrer le marché du logement social. En fait, il y a un premier logement pilote qui a été fait, qui est, je pense, carrément un projet à bâtiment à énergie positive. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas les détails de ce projet, mais on sent qu'il y a des initiatives pour élargir l'application à la grande masse de la construction au Maroc. C'est vrai qu'on a un savoir-faire ancestral. On a même l'impression qu'aujourd'hui, on construit beaucoup moins bien qu'il y a un deux siècles. Mais c'est parce qu'on a pris les nouvelles manières de construire, le béton, mais on l'applique à notre manière. On ne respecte pas forcément les bonnes pratiques d'isolation. Et ça, c'est pareil, c'est parce que je pense qu'il y a un vide de réglementation. Il faut rappeler par rapport à la réticence des promoteurs, c'est que souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, pour que les promoteurs adhèrent, il faut d'abord leur expliquer ce que c'est et qu'ils se familiarisent. Pour que certains promoteurs, en tout cas ceux qui sont bien renseignés, je ne pense pas qu'ils soient fermés aux nouvelles technologies. En tout cas, nous, on a un certain nombre de projets où on intègre un minimum de technologies. C'est pas destination fiscale, ils vont pas y aller. Pas forcément, parce que ça peut être un atout code de banque. Et quand on dit domotique, c'est pas forcément des coûts excessifs. Attention, on s'imagine parfois que ça va coûter 50 000 dirhams par appartement. C'est pas vrai. Ça peut coûter beaucoup moins cher. Il y a des solutions très simples qui coûtent aujourd'hui beaucoup moins cher. Donc je pense que justement, il y a un peu de culture à apporter. C'est peut-être le rôle des professionnels d'organiser des rencontres et d'expliquer ce que c'est. Nous-mêmes, au sein de la filiale, on entendait parler du HUE, de l'appellisation. Tant qu'on n'avait pas mis le nez dedans et qu'on n'avait pas formé un certain nombre de collaborateurs à l'HUE, c'était attention, le gros trou noir, on ne sait pas où on met dedans. Et à partir du moment où on comprend ce que c'est, on y va beaucoup plus facilement et parce qu'on sait où on met les pieds. Parfait. Merci, Monsieur Zakaria. Donc c'est juste par rapport au surcoût qu'on peut imaginer dans le respect des normes. Donc je rappelle que le dimensionnement des appareils énergétiques, que ce soit de chauffage central ou de climatisation, dépend du bilan des déperditions, lesquelles en fonction de l'isolant thermique qu'on peut associer. Donc si je dois dimensionner un appartement, un bâtiment non isolé, notamment l'appareil de clim, il serait deux fois plus grand que ce que je pourrais trouver si j'ai un bâtiment qui est isolé. Donc ça, c'est pour répondre au surcoût. Donc réellement, comme il a dit monsieur, il n'y a pas vraiment un surcoût si on a bien calculé, on a bien dimensionné ces appareils énergétiques. Ça, c'est d'une part. Ma deuxième question, c'est par rapport à la sécurité incendie. Donc aujourd'hui, on n'a pas parlé de sécurité incendie. Est-ce que c'est un luxe ou c'est une obligation, surtout dans les locaux à risque comme les parkings? Je constate que la plupart des immeubles à usage immobilier ne tiennent pas compte de cette réglementation en termes de matériaux utilisés, dont le classement peut arriver jusqu'à M4 ou M5. Merci. Voilà. Tout d'abord, les agents immobiliers qui se trouvent dans la salle, c'est qu'avant-hier, j'ai eu l'information comme quoi le texte de loi du statut d'un agent immobilier, il est presque en cours, et il est à l'étude du secrétariat du gouvernement. Donc c'est très important. La deuxième chose, c'est que je m'adresse à tous les promoteurs qui sont dans la salle, les agents immobiliers, les architectes, les avocats, je ne sais pas s'ils sont là, les notaires, et tous les corps d'État qui ont une relation avec l'immobilier. Nous avons eu de la chance que FIAPSI, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire FIAPSI rapidement, Fédération internationale des administrateurs de biens et conseil pour l'immobilier.
nous avons eu la chance que la Fédération internationale a sollicité le Maroc de créer une FIEPC Maroc. Pour cela, je vous invite cordialement à la réunion qui se déroulera le lundi prochain, si c'est pas Ramadan, d'ailleurs je vais le mentionner dans les invitations, si c'est le Ramadan, la réunion sera reportée ultérieurement. Ah bon? Je sais pas, on ne travaille pas Ramadan. Non, il y a toute une organisation. Et de toutes les façons, si vous êtes intéressé, pour vous expliquer le statut, comment on va gérer cette fédération, il y a plusieurs personnes qui nous ont déjà sollicité pour participer à cette réunion. Donc si vous êtes là, vous m'envoyez votre email à l'adresse carrefour.second@gmail.com et je vous envoie les invitations. Ou bien contact à la contact. Je pense qu'on revient encore à la question de la réglementation, c'est obligatoire, tout le monde doit l'accepter. Parler de. Voilà, ça c'est une merci. Parfait, merci beaucoup. Le détail de. On a abordé pas mal de sujets. Aujourd'hui, l'association LGBC propose des formations qui sont accessibles, parce qu'on est une association, accessible à l'ensemble, sur des thématiques de construction durable sur 2 jours. Donc demain et après-demain, on fait la deuxième édition de la formation. Et sur la santé, sur l'énergie. Il y a un site web. Donc pour rentrer plus en détail. Il y a un site web, un adresse email. Adresse email, greenacademy@gmail.com. Et le site web est en cours de. Parfait, très bien. Alors. Hein? Tu pars en vacances? Je pars en vacances. Merci beaucoup. Suivez-nous sur le hashtag Matinalieux. Merci à tous nos partenaires, notamment. Merci à vous. Voilà, madame, voilà qui avance et bonnes vacances. Nous installons au Maroc, il y a des conséquences, bien sûr, comme ça. Et l'appui de France, nous avons donné la bonne étape. Nous pensions au niveau. Avec qu'on puisse collaborer un jour ensemble. Donc, on fait dur à la santé. Oui. C'est oui. C'est une nouvelle.